Resident Evil 5. Hello les amis, c'est Vaker, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de Resident Evil 5 aujourd'hui. N'oubliez pas le petit like pour soutenir la chaîne, le petit commentaire, le petit abonnement, ça fera plaisir. Toujours à la recherche de Jill. Et on se rend dans la grotte. That's the boat the woman used to get away. Ouais. So, you two are really going to go through with this? Yes. This is not just about Jill, but the Ouroboros project as well. I guess there's nothing I can do to stop you. I will call HQ and try to get the withdrawal order rescinded. I will also try to get you back up. Try not to get yourselves killed. On va essayer. Yeah. Yeah, Josh. Ok, les amis. Donc, cette fameuse grotte qui apparemment détient les réponses. That's the name of the director of Tricell's African division. Do you think she could be connected to Irving? It's possible, but I don't have any proof. Tricell. If there is a connection, what does that mean for Africa? Not sure, but if we keep going, we're bound to find out. True. Let's move. Let's move. Oh yeah. Beaucoup de mystères dans ce Resident Evil. Il y a cette femme masquée avec cette tête d'oiseau. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qui est arrivé à Jill. Et la connexion entre Tricell et le BSA. Ouh là là, petite araignée, bonjour. Ouh là, rapidité. Oui. Très rapide, très rapide. Ok. En même temps, tu bouges pas beaucoup, Sheva. Hein. Sheva. Ok, il en reste une, non? Dégoûtant. C'est quoi ces araignées mutantes vraiment? Oh oh. Ok. Ah, elles sont dégoûtantes. En même temps, je préfère les araignées que les serpents. Tiens, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez. Vous préférez les araignées ou les serpents? Moi, franchement, je déteste les serpents. Genre, vraiment. Ça me fait super peur, les amis. Je sais pas, j'ai une peur, j'ai genre une phobie en vrai des serpents. Depuis tout petit, hein, je sais pas pourquoi. Wow. Les araignées, je m'en fous un peu. Bon, j'aime pas de ouf fou, tu vois, genre, c'est pas mon kiff, mais... ma sœur, en fait, avait une mygale, mais genre une vraie mygale, tu vois, vraiment énorme. C'est pas une araignée, genre une vraie mygale que, voilà... Elle avait une mygale, donc j'étais un petit peu habitué, on va dire. Par contre, les serpents, c'était impossible. Elle voulait un serpent et j'ai dit à mes parents, c'est mort. Même pas en rêve, elle prend un serpent, je imagine, il s'enfuit et tout. Genre, mon dieu, je pète un cap, quoi. Bon, y a un chemin qui descend là, mais je voudrais d'abord aller... Ouais. C'est pas mal des fois de regarder la carte pour voir si du coup le chemin continue. Ok, tac. Ah bah non. En plus on a oublié des munitions. J'ai été un peu traumatisé quand même, j'avoue, parce que on est d'origine italienne et quand j'étais petit, on a une maison en Italie, maison de campagne de fou. Et on marchait souvent, on se baladait beaucoup la journée, parce qu'il n'y avait pas. Waouh. Wow, c'est quoi tout ça? Waouh. Au secours! Aide-moi! C'est quoi tout ça? C'est trop? Putain, c'est cher payé pour un. Ah là là, il me faut des soins là. Hein. Vous avez vu le prix de ce coffre là? Ah, il y a des soins, ça tombe bien. Attaque, attaque, attaque. Je peux même pas la prendre, vraiment. Elle a claqué le pompe. Elle a pris le.
Ah, elle m'a soigné, elle est vraiment trop mignonne, elle est trop chou, merci Sheva, t'es la meilleure. Je retire tout ce que j'ai dit sur toi. il en reste une, non? Ouais. Encore? Mon dieu, mais... Tac, bim. Ok, je crois que c'est bon. Non, j'entends encore des... J'entends encore des bruits d'araignées, c'est fou. Bon, ça a l'air d'aller. Donc ouais, en fait, on se baladait souvent en Italie et tout. Donc dans la montagne presque, quoi. Dans les forêts, montagnes. Et en fait, à un moment donné, il y a un serpent qui est passé juste à côté de mon pied. Et ça m'a fait une peur. Mais je vous raconte même pas, j'ai tracé comme jamais. Alors, un petit joyau. Et il y en a un autre ici. Ok. Viens, Sheva, on y va. On continue. Waouh, mais c'est une ville souterraine en fait là. Avec un joyau au milieu. C'est Indiana Jones. Très très classe, très 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 classe, regardez-moi ça. Franchement c'est stylé, non? I never knew such a place existed here. It looks like there's been some recent activity. Ça fait très Inca, tu sais. Je pense pas qu'il mentirait. Je pense que Irving était voilà, en train de mourir et il a dit toutes les vérités. Pour apaiser son âme. Son âme meurtrie. Par contre, j'aimerais bien des soins. Ah, alors, cet endroit, je viens d'avoir un flash là. De quand j'avais fait le jeu, quand j'étais plus jeune. Et je sais pas si c'est une bonne idée. Quelque chose est pendu, je ne veux pas savoir ce que c'est. Ouais, j'ai une petite idée, un petit peu. Alors, ouvrir. On va ouvrir ce caveau. Waouh! D'accord. On a trouvé le trésor des Incas, les gars, en Afrique. Mais c'est fou! Tout cet argent pour nous? Ok, oh, regardez-moi ça. Dégoûtant. Je sais pas pourquoi j'ai des souvenirs de cet endroit. Ouais, à mon avis, ça va me revenir. Ils nous ont séparés. Super. Chris, are you okay? Écoute, ça va. Hein. Descendre, ok. Waouh. Ouh. Vas-y, couvre-moi. Ok, vas-y Sheva, vas-y. Wow, esquiver. Ok. Lui, il est très proche. Très proche. On va prendre le pompe. Et voilà. Ok. Est-ce que je peux en écraser un? C'est bon, ils sont morts. Wow. Ok. Bim. Allez, dans la tête. Bim. Bim. Oh non. J'ai cru qu'il allait sortir l'un tentacule, mais c'est bon. Tout va bien. Je suis plein. C'est pas grave, je vais recharger ça. Clac, comme ça je vais pouvoir prendre l'herbe. Et bah, surtout me soigner en fait. Pourquoi je fais équiper plus... au lieu de faire direct guérir? C'est pas grave. Ok, on avance. Faut qu'on retrouve Sheva. Oh non. Ah là là, j'ai été trop lent. Wouh.
Bim. Comment ça t'as nid d'amour là? T'es grave loin de moi, t'es sérieuse? Il faut que tu me covers. Elle a plus de balles. J'ai cru voir un truc voler, c'était très bizarre. Je peux pas t'envoyer des munitions ma pauvre, je suis désolé. Qu'est-ce que je peux prendre? Rien du tout. Tac, si je peux recharger ça. Dommage, je peux pas prendre l'herbe rouge. Tant pis! Wow. Attention! Il est trop près! Ouais, je devrais mettre des crochets en plus, vous l'avez dit en commentaire. Hein. Utilise le crochet, tu perds tes munitions. C'est vrai, j'ai pas le réflexe. Ah, Sheva, t'es là. Ça fait tellement plaisir. Viens, on va ouvrir ce coffre. Sheva, elle est en train de faire des emplettes. Elle a pas du tout envie de venir, ça y est, elle arrive. Allez, les amis, on est riches. Un petit joyau, un autre petit joyau et plein de sous. Incroyable. Et on va être riche. À la fin de cet épisode, on est riche. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a ici aussi? Herbe verte. Sheva, viens. Viens prendre tout ça là. Merci. Qu'est-ce qu'elle est intelligente. C'est incroyable. Oh. Un coffre. Rien du tout. C'était un piège. Wow. Ok. C'est con parce que j'avais d'autres endroits à visiter. Oh oh. Vraiment? Il y a des zombies derrière les gars, il y a des zombies derrière. C'est bon. Tiens, viens, je vais te donner des munitions. Je vais te donner des munitions, viens. Waouh. Ok, je crois que c'est bon. Non. Attention. Sheva, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, elle est en train de se taper là. Je sais pas contre qui elle se bat, mais elle se bat. Ah ouais, on est tombé dans un vrai traquenard. Ah c'est bon, c'est ouvert. C'était un piège les gars, c'était un piège. Encore? Tiens, je t'écrase. Je peux? Ouah. Bah, il veut pas que je l'écrase lui en fait. Aïe. Allez, c'est bon, tu m'as saoulé. Je vais prendre ce coffre quand même. Ça valait le coup de venir ici, de tomber ici. Merde. Laisse-le tranquille. Encore? Laisse ta peau, la pauvre. Tiens. Voilà. Oh, mais lui, il meurt jamais. C'est un truc de fou. Ok. Ah, il est pas mort. Hein. Allez, c'est bon là. Là, c'est bon là. La musique s'est calmée, tu vois. C'est un bon indicateur. Hein. Œuf pourri. Bah vas-y, prends. Fais-toi plaisir. Hein. Moi je mange pas de ce pain là. Tac. Vous m'avez aussi donné une astuce, c'est que si je recharge pas, mais que j'améliore mon arme, donc faut être à la fin d'un chapitre, je vais avoir des munitions gratos en fait. Parce qu'en fait en l'améliorant, ça remet le flingue à plein de balles. Voilà. Tac. Donc j'ai vu que là-bas il y avait pas mal de types... Voilà, hein, qui est clairement... On va lancer une petite grenade. Hein. Ça m'a valu un succès, dis donc. Tiens, monte ton dos, toi. C'est une très bonne idée, ça. Elle est ouf, cette salle. Avec le joyau, là. J'ai pas envie de descendre tout de suite. On va laisser venir.
Bim. Ah, dommage. Ok. Allez, il est temps de descendre les habits. Crac. Wow. Ok. Ah, il fait mal, hein. C'est le nouveau pompe, celui-là, là, que j'ai pris, là. Il est vraiment pas mal, le M3. Vraiment très stylé. Tac. Je prends des munitions, tu en voudras pas. Voilà. Ah ouais, mais il y a Vla. Ok, ah d'accord, ok. Ok. C'est quoi le délire, là? Wow. Ouais. Donc il y a des boules de feu là, c'est normal ça en fait ce qui se passe. Déjà moi j'ai envie de récupérer tous les... Wow. Mais elle continue d'arriver en plus en mode... sans arrêt quoi. Oh, t'es juste derrière moi. Wow, mais elles sont folles ces boules de feu là. Ah, elles explosent en plus, mon dieu. Mais attends, mais il faut vraiment que je récupère les munitions de toute manière. Là on n'a pas le choix. Donc je casse tous les pots. J'arrive, chèvre, j'arrive. Mais là il y a trop de munitions à récupérer et j'en ai besoin, tu vois. Wow. En plus elles explosent et tout, c'est un délire. Est-ce que je peux récupérer celle-ci? Je suis gourmand de ouf. Voilà. Je suis gourmand de ouf, je meurs. Vas-y, laisse tomber. On laisse les 100 pièces par terre, c'est pas grave. Tac. C'est bizarre, hein. Donc là, je tourne et il y a des boules de feu qui... Ok, c'est bon. Ok, donc va falloir passer à travers tout ça. Est-ce qu'on peut manger ça? Ah, ça va se fermer, sérieusement? Ah ouais, ça s'est fermé, waouh. Ok, waouh, faut aller vite en fait. Vas-y, faut qu'on tourne encore. Ah ouais, faut aller super vite. À mon avis, en plus, je me prends... une boule, je meurs direct, vu la vie qui me reste. Ok, c'est bon, allez, go. Go. C'est une blague. Mais comment tu veux que je... Je suis à peine des... Ah ouais, mais c'est mort là, putain, je suis... Ah ouais, mais celle-là, c'est mort. Ok. Donc là, clairement, la vie, c'est très très chaud, en fait. C'est chaud, ça, hein. Alors, attends. Waouh, ok. Vas-y, go. Tout droit. Ouais, yes. Waouh, c'était Tandax. Ah, j'ai couru comme si ma vie en dépendait. Hein. Ta, c'était chaud. Hein. Ah, j'ai plus de vie par contre. Wouh. Regarde, le pauvre Chris, il est pas bien quoi, il est pas bien du tout. Ouh là 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 là, ok. Donc là, clairement, on va marcher là-dessus, ça va déclencher quelque chose. On est d'accord. Oh. Ah ouais, d'accord. QTE direct. Ouais. Effectivement, ouais, j'ai pas sauté. Ok, les amis, je suis prêt, c'est bon. Je cours, je saute. Wouhou. J'adore comment la flèche elle va vite. Yeah. Incroyable. Yeah. Ouh, ils ont failli m'avoir. Les deux gâchettes là. Ok, faut courir. Eh non, c'est bon. Waouh. Magnifique les gars, vous êtes incroyables. Hehehe.
Bien joué, Shiva. On forme une équipe de choc. Alors, tirer. On va tirer sur ces chaînes. Très sympa ce chapitre, hein. J'aime beaucoup les trucs comme ça, un petit peu à la Indiana Jones. C'est très 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 sympa. Waouh. Ok. Ah, de la vie. Comment ça, j'ai plus de place moi, attends. Hop, tiens, prends ça. Je vais prendre ça, je vais me soigner. Attends, je vais attendre un petit peu, si on trouve une deuxième pour que ce soit plus... C'est plus puissant pour la combiner. Et en même temps, faut pas que j'attende trop pour l'utiliser, parce que si je me fais... Si je me prends des dégâts, ça va être chaud. Ok, on peut descendre ici? Non? Alors pourquoi... Pourquoi venir ici en fait? C'est bizarre. Ok, on va refaire le tour. Là je peux sauter, ok. Des petits vases. Oh, que des sous, mais c'est bon les sous, ça va, 2 minutes, si je meurs, ça sert à quoi de mourir riche? On veut pas être le plus riche du cimetière, hein. Ok. Je sais pas, il y a des statues avec des couleurs. Rose. Vert. Trop bizarre. Je me souviens pas du tout de cet endroit. Je crois qu'il faut que je descende. Hein. Oula. Ça me dit rien qu'il vaille ce qu'il y a devant là. Je sais pas, c'est bizarre. Jaune. C'est quoi, c'est des épreuves? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Mallette. Ouh, lance-grenade. Allez. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est très, très, très cool. Tac. Bon, je te laisse utiliser, Shiva, pour l'instant. Je te le laisse. C'est cadeau. J'espère que tu en feras bon usage et que tu ne m'éclateras pas. Donc, il y a ces fameuses statues, ok. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut tirer là-dessus? Non. Ah, examiner. Ah, ok, d'accord. Actionne l'autre, d'accord. Donc elle va actionner celui-là. Hein. Ouais. Donc moi, il faut que j'aille à l'autre statue. Donc c'était la jaune, hein, sur la gauche. Ça c'est cool, ça. On est d'accord. Ah, mais là-bas, comment je monte? What, les gars, je comprends rien. Ah, d'accord, l'autre ici. Ok, d'accord. J'avais pas vu qu'il y avait deux bras en fait. Pour moi, c'était l'autre statue en fait. Ok, vas-y, Shiva. On commence comme ça. Ça fait quoi? D'accord. C'est juste pour un jouet ou non? Ok. Il y a des escaliers qui montent jusqu'à la prochaine statue. Ok. Donc faut les tirer à chaque fois. Hop là. Ok, donc go par là.
Donc là maintenant il y a des marches. Donc là j'imagine qu'on va faire... Ah, petit coffre. Oh, ça c'est cool. Et on aura la rouge là-bas aussi à faire. Bon, d'abord la verte. Shiva, tire sur le putain de truc. Ok, d'accord. D'accord. Je suis pas sûr de tout comprendre, mais apparemment on fait les choses dans l'ordre. Donc là les escaliers c'est devenu une plateforme. Oh oh. Je crois que j'entends des cris. Eh ouais, ça arrive les gars, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Waouh, et là il y a pas mal d'archers, de lanciers et tout. Donc là je crois que je vais me soigner les gars. Là... là on est en train de se prendre en plus des... des balles là. Allez je la passe en mode attaque elle. Ouh. Ok, je sais pas, qu'est-ce que tu fais. Allez les gars. Yes. Qu'est-ce que tu fais aussi. Elle est partie là-bas, elle est en... Oh, elle met des coups de pompe. Y'a tellement de monde, Shiva, autour de toi. T'es sérieuse ou quoi? Oh! Y'a le type là-bas là. Lance-grenade, Shiva là. Elle pourrait y aller au lance-grenade. Hein. Là, c'était le bon moment en plus. Hein. Mais bon. Ouh, je crois qu'il a explosé en tirant. Ok. Je crois qu'on a réussi. C'est chaud la ville. Hein. Elle a pas de soins elle sur elle. T'as la queue dalle. Elle a que dalle. Je crois que... Ah regarde, y a des soins là. Elle va me soigner. Ah merci. Je crois, je sais pas, tu vas me filer le... Bon, on va échanger. Je vais te donner le magnum. Et tu vas me donner le... Voilà. Tu vas me donner ça. Super. Merci à toi. Œufs pourris. Mais je sais pas si on peut les manger les œufs pourris. Ça fait quoi en fait? Pas du tout. Ça m'a fumé en fait. Bah oui c'est pourri. Non mais je sais pas, je me dis peut-être ça a ramené un peu moins de vie qu'un œuf normal. Mais là ça m'a carrément... Ah ça m'a mis en... Oh là là. Dégoûté. J'étais bien, j'étais dans le vert et tout. Maintenant je suis dans le rouge. Donc voilà. Morale de l'histoire, ne jamais manger d'œuf pourri. Je pense que c'est par là. Hein. Je pense. C'est un labyrinthe le truc. Ok, la jaune. On l'a pas encore tiré la jaune. Attends, on va aller voir là, comme d'hab, sur les côtés, s'il n'y a pas quelque chose de cool. Ah, il y a la violette aussi. Oh, il y a un coffre. Oh, mission de grenade incapacitante, cool. Ok, mission de lance-grenade du coup. Bah je pense du coup qu'on va aller tirer sur la jaune d'abord et ensuite on fera la violette et je crois que c'est les deux dernières.
Par contre, grenade incapacitante, ça doit pas faire de dégâts, ça doit juste les éblouir, je pense. Je sais pas. Tu peux tirer dessus, s'il te plaît. D'accord. Ok. Ça a ouvert un truc. On va quand même tirer sur celle-ci. Ah bah là, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une chaîne. L'autre ne doit pas être loin. Ok, j'imagine qu'elle est en dessous. On va redescendre. Je pense que Sheva va rester là-haut, non? Ouais, Sheva va, elle va tirer dessus, elle, je pense. Donc l'autre chaîne doit être à gauche, là où il y a le passage qui s'est libéré, j'imagine. Je la vois pas. Je la vois pas pour l'instant. Ah, en dessous. Oula. Oula. Ok. Ok, 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 ok. Ouah, t'es sérieux là? Ya, 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 j'ai plus de vie en plus. Ah ouais, bah t'es mignonne toi. Moi aussi j'ai besoin d'aide. Wouah, les types ils arrivent. Allez. Ok. Je me soigne. Pas mort lui. Wouah. Ouais, il va mourir, va mourir. Comment je fais pour l'aider? Ah là là là, les, je te jure, c'est bien hein, d'avoir des compagnons hein, sur qui tu peux compter. C'est cool, hein. C'est très très cool. Bon, le mieux c'est de descendre avec Sheva, hein, comme ça on va pas la laisser en haut, elle va pas être en galère toute seule. Hein. Et puis voilà, hop. Ah. Ah, du coup, quand tu vas. Ok. Donc là c'est elle qui va être toute seule en bas du coup. Ok, donc en fait on aurait pu la laisser toute seule soit en haut et soit en bas. Je pensais que la cinématique allait se déclencher mais non non, ça marche pas comme ça. Par contre on a... petit vase ici. Ouais tiens. Bim, oh, ça ramène tellement peu de vie en fait. Ok. D'accord, là ça donne là. Ok, ok. Donc là je peux monter ici. Ok. Bon, bah du coup, ils vont arriver au-dessus de moi. Il va falloir que je cover. Mais ça sera peut-être plus simple à couvrir d'en haut que d'en bas. Je voyais pas trop en fait. Même si j'essayais de l'aider. Ouais, d'accord. Ah, bah d'accord. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Waouh. Ok. Ah oui, ils sont tous en train de descendre sur elle, la pauvre. Ok, 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 ok. C'est chaud là. Peut-être je peux faire le tour et l'aider, non? Vraiment descendre? Ah, je peux pas descendre. Waouh. T'es vraiment méchant avec elle, toi. Tiens, regarde. Ah bah on l'aide comme on peut. C'est bon ou pas? Je crois que c'est bon. Ah non, il y a des araignées. Ah mais Sheva fait quelque chose aussi. Non mais attends, regarde. Ah mais elle a pu... Mais si elle a des balles en plus. Putain, elle fait vraiment exprès celle-là. Ok, j'entends des cris là, je sais pas où ils sont. Ils sont au-dessus? Je crois qu'ils sont au-dessus de moi. Non? En vrai, je sais pas. Hein. Ah, mais Sheva, t'as des balles devant toi. Prends-les au moins.
Je sais pas, j'entends des... Non. Voilà, occupe-toi de l'autre. Aïe, putain, c'est pas vrai, mais d'où il sort lui? Ok. Oh, je recharge. Putain, j'ai chaud. Allez, viens. Viens. Allez, viens là. Bim! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il fallait que t'ailles tirer sur l'autre chaîne. T'abuses de fou. Allez. Il en reste ou quoi là? Il en reste. Ok. Voilà. Tu sais quoi? J'ai plus de balles. On s'en fout. Voilà. Tac. Je crois que c'est bon. Non? Putain, non, j'entends encore des. J'entends encore des zombies, hein. Je sais pas où ils sont, mais c'est impressionnant. Bah vas-y, dépêche-toi. Hein. En fait, c'était ce que t'étais censé faire, hein, depuis le début, tirer l'autre chaîne. Mais bon, je vois que t'es pas motivé. Allez, on y va. Regarde la tête de Chris, là, en transparence. Débat. J'espère qu'elle va pas crever. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je crois qu'il y a une araignée qui la poursuit, je te jure. Ah, enfin, waouh. Ok. Donc, qu'est-ce que ça va faire, cette dernière statue? D'accord. Ça a libéré un chemin. Ok, Sheva. Let's go. Allez, viens. Donc normalement, ouais, ça a libéré un truc. Hein. Mais alors où? Ah, le rouge, on l'a pas tiré, le rouge encore. Eh bah vas-y, hein, let's go. Donc c'était pas la dernière, hein, c'était la rouge la dernière. Je crois qu'il y a des araignées. J'ai entendu des petits bruits. Waouh. Ok. Ah, génial. Complètement folle cette salle là, avec tous ces escaliers qui montent, qui descendent, qui... Ok, ouh, je crois que c'était la dernière. Oh, mais non. Ah, c'est pas bon du tout ça. Wow, ok. Mais prends-le. On se casse les gars, on se casse. Waouh. On n'est pas équipé pour ça les amis, on n'est pas équipé pour ça. Oh mon dieu. Allez, on y va. Oh oh. Bah non. Ah, oh, j'ai le seum. Ah, mon dieu. Du coup, ce que je comprends, c'est que de toute façon, on peut pas réellement la tuer. Il faut juste s'enfuir. Tout en essayant de pas se faire bouffer. Donc, peut-être une petite greue incapacitante, ça peut être pas mal. Hein. Allez. Allez, Chris. Dépêche-toi! Ok. En plus, je croyais que j'avais vraiment réussi le. Bien fait pour toi. Oh la tronche. Je pensais que j'avais vraiment réussi le. La QTE, mais j'ai pas dû appuyer suffisamment fort sur X. The preparations are almost complete. Then we can leave. Good.
Albert. You know, I was surprised Las Plagas was such a success. When you first arrived, I had my doubts. And now Ouroboros is complete. Your position at Tricell is secured. Oh, I have my eyes set on something much bigger. You'll be needing a partner, right? Someone suitable to join you in your new world? I believe I've proven I'm worthy. Perhaps you have. The BSA is here. It appears your old friend, Chris Redfield, has come to pay you a visit. Do I sense concern? The plan is in its final stages. I will not tolerate delays. Superior breeder creating a new world, genital virus. You I was to become a god. That right is now mine. I believe I should thank you, Spencer. Albert Wesker, ce gros traître là. Il était là dans l'équipe des Stars, hein. Dans le tout premier Resident Evil, il faisait partie de la team des Stars, et voilà, gros traître. Fin du chapitre 4-1. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau dans les achats? Lance-grenade, évidemment, bon ça on l'a déjà. On va vendre nos petits trésors qu'on a trouvés dans ce monde. Un K, pas du tout un K, mais bon, voilà. Ouh, 9000 d'argent, mais pas mal, hein. Et là, Topaz, ok. Super. Waouh. Ah oui, c'est vrai qu'on a récupéré beaucoup de trucs. Hein. Je vous avais dit qu'on allait être riche à la fin de cet épisode. C'était fou. Enfin, de ce chapitre, hein, parce que ce n'est pas la fin de l'épisode, bien sûr. Voilà. Tac. Et bah dis donc, on est bien. Et on a 10, on a 20 000, les gars. J'ai jamais été aussi riche. Alors avec 20 000, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà ça, on va le vendre. L'œuf pourri là, qui m'a rendu bien malade. Voilà. Ça c'est fait. On a des munitions de lance-grenade, c'est pas mal. Je pense qu'on va surtout... je vais peut-être acheter ce flingue-là. Voilà. Et donner du coup je vais vendre tac, celui-là. Je vais lui donner celui-là qui est plus amélioré. Voilà. Et moi je vais prendre dans l'inventaire... le nouveau gun qui en fait fait plus de dégâts, enfin qui hop, qui a une plus grande barre de, non je veux pas le vendre, pardon, sa barre de puissance est plus haute, donc tout simplement voilà, tac, on va améliorer les munitions parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup, c'est un petit peu l'inconvénient de celui-là. Voilà, encore un petit peu de dégâts. 4000. Ouais, vas-y, hein. De toute façon, le flingue, c'est vraiment ce qu'on utilise le plus. Hein. C'est la base des bases. Munitions, vas-y, 17. Et là, ça coûte 2000. Donc, j'aurais pas assez, de toute façon. Ok. Je crois qu'on est bien. Je crois qu'on est bien, je crois qu'on est bien, je crois qu'on est bien. Je vais donner les munitions de lance-grenade à elle, là. Elle va me les garder. Et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Let's go, les amis, on continue. Chapitre 4, lieu 4-2, lieu de culte. Ok. Ok. Ah. Elle a pété les munitions avant moi. C'est pas grave. C'est cadeau. Pas mal ce petit gun. Hein. Ok. Donc là, on dirait 3 emplacements, on dirait que ces emplacements sont prévus pour 3 objets, donc
Là, on est un petit peu plus dans, tu sais, un peu les Resident Evil d'avant, là, où il fallait trouver des objets pour les mettre dans les cases. Évidemment, ça ne va pas être de tout repos. C'est un lieu de culte, donc voilà. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, d'accord. Waouh, ok. Donc on va faire attention au... Wow, ok. Il a explosé. Waouh. Et je peux pas le tuer le type là? Je suis censé aller par où en fait? Ah bah tout droit. Ok. Donc on va faire gaffe hein, on va éviter de se prendre les rayons du soleil en pleine tronche. Ouh, je vous avais pas vu les gars. Attendez, j'arrive. Toi, tu vas retirer ton masque. Ok. Ah ouais, il fait mal ce flingue. Wouh. Il a tapé un vrai saut. tu vas looter quelque chose ou pas toi? Non, pas du tout. Faut éviter de rester sur place parce qu'il y a les types là-bas là qui nous visent. Aïe. Ça a pété sur lui, c'est trop bien. Ok. Yeah. Ça va Sheva, t'es bien? T'es comment au niveau des balles? Elle est pas bien du tout. Hein. Au niveau des balles, elle est pas sereine. Voilà, c'est bon, elle a récupéré quelque chose. Ok, emblème de la mer. Magnifique. Donc on a le premier emblème, il en manque deux. C'est qui fait? Ah, wow, wow, wow. Oh. Ouais, je tire vraiment n'importe où là par contre. Elle a lancé une grenade là. Elle aurait pu me prévenir. Yeah. Ah ouais, le petit coup de pied, pas mal. C'est vrai que quand il est à terre, on peut donner des coups de pied. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bim. Grosse mandale. Allez, encore. Bim. Ok, j'ai plus de balles. Sheva, Sheva, aide-moi. Par contre, il meurt jamais, lui. Ah, quand même. Oh ouais, j'ai eu peur, là. Vas-y, va chercher les trucs. Elle me fait délirer. Il va falloir que tu me donnes des... Eh, ça c'est... C'est moi ou... Ah non, elle a rechargé, en fait. Tu veux pas me donner un peu de munitions là? Elle, elle est bien en vrai, mais moi je suis en galère. Ok, j'ai 3 balles de flingue les gars. C'est chaud. Est-ce qu'il y a toujours le rayon du soleil qui est là? Ouais, il est là. Hein. Se plaquer contre le mur. Viser. Ah, je peux viser. Que je peux tirer dedans? Pas du tout. Ouais, je peux pas. Hein. Ok. Bon, on va mettre le premier emblème déjà. Voilà. Voilà, point de contrôle. Par contre, comment on fait? Ah, je peux aller par là. Wow, 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 attention! Oh, Sheva va se le prendre. Je le sens. Ok. Tac. Go, 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 go. Ok, ici. Ensuite. Ah, je peux aller dans les petits recoins, là.
Je vais les mettre là-bas. Tac. Voilà, ici. C'est bon, c'est bon, c'est bon, on fonce. Où est-ce qu'elle s'est pris? Je crois qu'elle s'est pris le... Waouh. Ok, ok, ok. Ouais, super. Bim. Vraiment, elle est pas morte. Ah, elle va mourir, elle. Elle, elle va mourir. Allez, soigne-toi, Sheva. Merde. Merde. Putain, c'est plus elle qui crève que moi, en fait. C'est ça qui est terrible. Ouais. C'est fou ce qu'on crève hein, dans ce jeu, c'est fou. Enfin, qu'on crève, ouais. Qu'on crève, quoi. Le mec s'en fout, quoi. Il tire au lance-grenade contre des ennemis lambda. C'est pas grave. On se fait plaisir. Ok, ça c'est fait. Ah, c'est vous, là, qui avez tué... Hop les... Voilà. Ok Sheva, on y va. Je pense que je me rappelle de cette zone quand même parce que elle devait pas être simple. Merde. Putain, comment il m'a planté le gars. Allez. Mais meurs. Merci. Oh, elle est en galère. On va l'aider. Allez, dévoile tes petites jambes, toi. Ok. Bim. Et toi aussi, tu en veux encore? C'est incroyable. Incroyable le nombre de monstres. J'ai lu dans un petit test, enfin pas, j'aime pas trop lire les tests, donc je lis souvent des fois les conclusions que dans Resident Evil 4 Remake, des fois il y avait beaucoup d'ennemis. Trop, presque. Donc c'est assez fou. Je pense qu'on va bien le sentir. Mais déjà dans le 5, en vrai, il y en avait déjà beaucoup en fait. Hein. Tiens, on va prendre le petit emblème. Emblème de la Terre. Avec un joli lion dessus. Allez, vas-y. Yes. Ok, donc c'est le deuxième emblème, les gars. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il en reste plus qu'un. Oula, faire attention, je crois que le... Ouais. Il y a bien ce que... Ok. Viens là. Ouais, elle va se le prendre. Non, ça va, elle est pas trop conne, ça va. Là, je peux pas aller au bout, si. Ça me paraît un peu compliqué. Ah si, je peux. Je peux aller. Parce que là, si je descends... Je crois pas que ça mène quelque part d'intéressant. Hein. Attends, recule. On y va tranquille, on y va progressivement. Allez, go. Go. Voilà, ici on se cale là. Viens là, Sheva. Mets-toi à côté de moi. On attend que ça passe et on y va. Voilà, tranquille. On aurait même pu aller jusqu'au bout. Hein. Mais bon. Tac. Ok. Mais il me faut des munitions de pistolet, moi. Tiens, je vais te donner ça. Prends la mine. Moi, j'ai besoin de flingue. Voilà. Merde. Oh, un petit joyau à l'intérieur. Allez. Merci la richesse.
Ça fait plaise. Oula. Attention quand même. Oula, qu'est-ce qu'il fait lui? J'ai rien compris. Ah d'accord, il fait comme ça. Ah et après il revient. Waouh. D'accord. Je sais pas, je vais me mettre là. Tac. Les herbes, c'est super ça. Laissez au partenaire, tiens. C'est quoi, faut... Ah non. J'allais dire faut descendre, mais non, pas la peine. Ok. Ok, go. Là, y'a pas de... Non, là, y'a pas de rayon, c'est bon. Saut aidé. Allez, chef, viens. Oh oh. Ok. Ils arrivent où? Je vais t'aider, je vais t'aider. Je vais t'aider si tu me laisses les voir. Bien. Pas facile hein, parce qu'ils sont un peu. Voilà. Ça va, Sheva? Tranquille? Ça a l'air d'aller. Elle se débrouille. Oh, emblème du ciel. Ah bah il était là, là-dedans, ok. Ah non, c'est Sheva qui l'a récupéré. Bien joué, ma Sheva, t'es vraiment la meilleure de toutes. Elle l'a récupéré. Ah. Ok, petit lance-grenade peut-être. Ah bah non, j'en ai plus. Vous savez quoi, on va l'attirer dans un piège. Oh oh. Regardez, on se met là. Oh, c'était tellement presque parfait. Allez. Il va se le prendre, il va se le manger. Ok, bon allez, on se casse les gars. On se casse. Là je crois que je descends là. Là j'arrive là. Et c'est là. Vas-y. Tac. Boum. Emblème. Tous les emblèmes sont là dessus. Wouhou. Let's go. Dépêche-toi. Ouah, c'est beau là. Là c'est stylé comme ça. Hein. Y'avait pas des trucs sur les côtés non? Vas-y Sheva, viens. On s'en fout des types, on les laisse galérer. Tac, on récupère ça au passage quand même. Et on se casse, bande de gros nazes. Waouh, c'était une grosse salle, hein, avec pas mal de trucs à faire. Ok, on continue. Waouh! Le soleil fait des miracles ici. Hein. Ok. Roger. D'accord. On est enfermé. Super. Donc. Est-ce que ça fait mal ou c'est. Ouais, ça a l'air de piquer quand même. Ah voilà. Ces rayons sont dangereux. Utiliser le miroir. D'accord. Ok. Donc il va falloir les orienter comme il faut. Ok. Pour alimenter, j'imagine, cette plateforme là-bas. Bon déjà on va libérer un peu ça. Est-ce qu'on peut pivoter les trucs ou pas du tout? Ouais ça se pivote hein. Ok comme ça. Donc si lui là après je le tourne comme ça. Il se passe rien. Ok.
Shiva, elle est montée en hauteur parce qu'elle s'est dit putain, lui il va me il va me déglinguer. D'accord. Donc lui, il faudrait que je le tourne. Pas du tout. Comment en fait lui là, il faudrait qu'il soit tourné dans tous les cas vers ah bah voilà, ok. Ok, j'ai même pas fait exprès. Ok, d'accord. Descendre. Bah, je crois qu'on a fini hein. Ah d'accord, c'est un ascenseur en fait. Ok, je pensais ça plus compliqué mais en fait ça va. Ah, il y a une autre salle en dessous. Ok. Ce pli bloque le placage. Je crois qu'on peut le renverser. Vas-y. Faire tomber. Nickel. Donc pareil, il faut allumer celui sur l'ascenseur. Donc j'imagine qu'on aura besoin de lui de toute façon. Ok. Encore. Voilà. Tac. Lui là-bas. Lui, on va le faire tomber aussi. Boum. Lui, je pense que je peux le déplacer comme ça. Non ? Attends. C'est pas ça que je voulais faire. Ah ouais, mais si, c'est celui-là. Voilà. Non, comme ça. Oh, j'en sais rien. Il faut qu'on teste. Il faut que je teste le truc. Je peux pas juste le... Non, ça marchera pas forcément. Oh, chaud patate. Et sans savoir en plus, hein. Incroyable. Incroyable. Le truc, je l'ai positionné sans même m'en rendre compte. C'est génial. Je suis content quand ça se passe comme ça. Moi et les énigmes, ça fait un peu 10 quoi. Encore une salle. Ouah, mais c'est jamais fini. Ok. Là aussi il y a des piliers ou c'est comment? Ah là c'est une porte, ok. Donc ça veut dire que ça doit être le... Peut-être le dernier. Ok. Ah super, c'était un faux coffre avec des monstres bien sûr. Ouh, ok. Ah ouais, mais n'empêche, ça... Ouais, ça fait beaucoup là quand même. Tu veux pas tirer sur moi Non, elle a pas envie, elle a pas envie, alors bah, elle s'en bat les couilles. Waouh. Mon dieu. Elle veut pas m'aider, hein. Je vais la mettre en mode attaque. Au moins, peut-être qu'elle va tirer. Ah, mais je crois qu'elle a plus de balles, la petite. Ah, putain. Au secours, je vais crever avec des araignées de... Voilà. Ouais, bah, t'as raison. Moi aussi, j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu m'as aidé, toi? Allez, vas-y, dégage. Oh, putain, c'est pas vrai. Non mais c'est une blague, oh là là, mais regardez-moi tout ça là, ok. Ouais, c'est abusé, ouais, bah ouais. Bien sûr que c'est abusé là. Et je fais quoi? Je fais quoi en fait? Je peux rien faire, je peux même pas me dégager en fait. J'aurais jamais dû prendre ce truc. Vas-y, lâche-moi. Je veux pas t'aider, je ne peux pas. Je ne veux pas. J'ai 40 000 trucs sur moi. Tu vas devoir te débrouiller tout seul, ma grande. J'ai même pu. Si, j'ai un petit peu de munitions par là. Mais meurs enfin. Waouh, hey, on en est venu à bout, c'est un truc de fou, hein. Je pensais pas que là, vraiment, je me suis dit, je vais crever. Bon, je vais aller voir ce qu'il y a là-dedans.
Ah, il est là le truc. Waouh, ok. Ok. Donc en fait, la porte, il fallait qu'elle, dans tous les cas, fallait qu'elle s'ouvre quoi. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs portes qu'on peut ouvrir. Alors. Ok, lui va là, lui va là. Bah déjà lui on va le faire pivoter. Pourquoi lui il a une tête bizarre là? On va pivoter comme ça. Ça fait quoi? Ça fait rien du tout. Ok. En plus, je peux même pas. Je suis obligé de faire tout le tour. Oh! Sans faire exprès, j'ai ouvert les pièces annexes. Génial. Ça me fait plaisir. Ça me fait une belle jambe. Dis-moi pas qu'il y a des araignées qui vont sortir. Hein. Ok. Donc, ça, c'est cool parce que c'est petit trésor à récupérer. C'est pas la sortie, mais c'est quand même des petits trésors, donc c'est cool. Là-bas, on a déjà été. Donc, c'est ici hein, qu'il faut le mettre, le truc. Hein. Du coup... Ouais, faut faire briller. Ah, bah, je crois que j'ai juste à tourner celui du milieu, du coup, là, normalement. Waouh. La richesse, les gars, la richesse. Ah, putain de serpent de merde. Attends, je vous dis, j'aime pas les serpents, et ils mettent des serpents. Ok. 50, 300, merci. Ah putain, ils me remettent en plus mes orbes. Ça en plus, je peux même pas l'esquiver quoi. C'est vraiment. Voilà, t'es mort, sale serpent là. Attends, je vais manger l'œuf. Ah, quand tu tues un serpent en fait, tu récupères un œuf de serpent. Dégueulasse. Et dans Resident Evil 4, c'est des poules, hein. Je crois que c'est des œufs de poules et tu peux les lancer sur les ennemis des bas. Voilà. Ok, c'est bon, je crois qu'on a tout pris. Mais je vais bouffer tous les œufs. Hein. En plus, c'est pas des œufs pourris, ça. C'est vraiment des bons œufs. Tac, à la. En vrai, je crois que c'est hyper. C'est pas bon du tout de manger des œufs pas cuits. Tu peux choper des trucs dans la vraie vie. Hein. Ah purée, ok vas-y laisse tomber. J'ai récupéré le trésor, un K. Il est où le serpent? Il est là. Bim! Tiens saloperie va. Manger. Yes. Donc si j'ai bien compris normalement, si je tourne celui-là, ça devrait allumer le fond là. Après la question c'est savoir par où je vais passer, ok j'ai vu. Par là. J'espère que c'est ça, parce que celui-là il est un petit peu plus chaud. Utiliser le miroir, voilà. Bim, 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 bim. Ok. Ouais, c'est bon, les amis, c'est bon, on y est. En plus, je pense, franchement, je pense qu'il y a que 3 salles, j'espère. Parce que bon. Comment je fais pour me barrer? Ah, bah non, je peux pas. Je suis enfermé là. Je suis obligé de passer par le. Je vais me cramer en fait. Vas-y, je vais me cramer. Hein. Ah, je peux pas passer du tout. Quoi? T'es mort? Du coup, pour éviter de me retrouver bloqué, je vais. Est-ce que je peux faire comme ça? Genre, lui, je le mets à gauche. Tac. Lui, je le repivote. Dans le sens où il doit être. Non, bah du coup c'est dans l'autre. Comme ça. Voilà, et ensuite lui, je le mets ici. J'ai trop peur du rayon les amis. En vérité ça fait déjà 2 fois que je réessaye. Et je me fais cramer par le truc. Je crois que c'est bon. Normalement c'est bon. Normalement c'est bon là. A priori. Yes.
horrible cette salle, c'est bon. Du coup j'ai... Ouais, très chiant en fait. Hein. En vrai très chiant cette salle, franchement. Je vous le dis comme je le pense. Parce qu'en fait quand tu meurs, tu recommences tout depuis le début. Donc tous les trésors que tu chopes et tout, faut tout refaire. Comme si tu venais d'entrer dans la salle. Donc ouais, les araignées, tout ça, ouais, très chiant. Bon. Alors. Un tombeau. How can they survive underground? These are no ordinary flowers. Wait. Et oui, Umbrella. What was Umbrella doing? I don't know. It doesn't look like anyone's been around for a while. You can be sure they wanted to keep this place a secret. Some of this equipment's got the Triso logo on it. Are they working together? Fin du chapitre 4-2, les amis. Pas ouf la note, hein. Pas ouf du tout, effectivement. Je suis mort 3 fois, 28 ennemis vaincus. On peut maintenant consulter les dossiers de la tribu Andy Paya dans les archives, les amis. C'était cool! Pas mon épisode préféré, parce que, je sais pas, avec ces énigmes et tout, c'était pas trop mon délire. Même les environnements, bon, c'était cool quand même, mais voilà, c'était pas mon épisode préféré. J'espère que ça vous a plu, les amis. Il nous reste quelques épisodes sur ce jeu. Je sais pas si c'est la fin. Je crois qu'au niveau du chapitre 4, on aura... Je sais pas s'il en reste d'autres en fait, je crois que ça passe après au chapitre 5 puis 6, le dernier. Donc potentiellement il nous reste peut-être 2 épisodes, 3 maximum avant la fin de l'aventure. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de continuer l'aventure à vos côtés les amis, merci d'être présents. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve dès demain pour la suite des aventures de Chris et Shiva. Salut la famille.